T'avais bien qu'il y ait toi sans veste. Hein. Qu'est-ce que tu fais? Je coiffe un peu, putain, on va voir Marie Gunel, mec. Tu coiffes pas comme ça, c'est dégueulasse. Ouais, je sais pas. Avec tes chaussettes dépareillées en plus. Ah merde! Fais chier. Marie? C'est qui? C'est Mathéo, le réalisateur. Oh putain, Mathéo, je t'ai oublié. Mathéo, je suis désolée. J'ai une soirée un petit peu. C'est Arthur, il me filme. Bonjour. Bonjour. Je proposais les rôles aux comédiens, mais tu fais en train de jouer. Ah, super, super, mais oui. Je fais des rôles. Bonjour, Arthur, tu rentres aussi ou... Ouais. Oh, je suis désolée, vous avez fait une soirée un peu. Rentrez, rentrez, rentrez. C'est un peu le bordel ici. Bon, c'est mon petit studio. Hein. Mon père me l'a filé parce que j'avais plus rien à Paris, donc. C'est Philippine. Maintenant, c'est pas ma fille. Philippine. Oh, c'était fort. Vous vivez des coups si vous voulez, voilà. Il est un peu tôt pour ça. Pas dès le matin. Il est tôt, bah non, bah enfin nous on a une soirée. Bonjour, bah, ça va pas trop fini. Bon Mathéo, je vais le faire ton film, c'est super, j'adore ce rôle. Ah bah c'est cool, ça va vite. C'est une comédienne. C'est plus simple que d'habitude. Tu me l'avais dit hier soir. Bah oui, j'ai pas eu le temps. On a fait autre chose que de discuter de ça. Excuse-moi. Et j'adore, c'est. Et je suis d'accord. Non, 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 on s'est rencontrés. On s'est rencontrés hier soir. C'était bien. Ah, c'était. Ça c'est cool, super. Voilà, j'adore ce rôle. On tourne en janvier. Là, on fait le crowdfunding, on essaie d'obtenir de l'argent et tout. Le rôle du personnage, il est super beau. Je pense que je peux m'amuser avec ce rôle-là. Il est féminin, mystérieux, rêveur, aérien. Enfin, je me vois bien avec ses robes magnifiques. Non, je crois que je peux m'amuser dans cette jeune fille. Elle me plaît beaucoup. Après, il faudra qu'on parle de l'accent parce que il y a ce petit accent. Je sais pas d'où il vient. Excuse-moi, Marie, tu parles de quel personnage en fait? Ben, je parle du rôle féminin de ton film, Mathéo. Je vais pas jouer le flic. Non. Non, mais. Mais je parle de Manon, de ton rôle, Manon. De ton film. Enfin, non, mais toi, c'est. Je attends, mais c'est encore bourré ou quoi? C'était. Tiens, filme-moi un petit truc à moi. Ce que je te propose, c'est la mère de Ben, en fait. La mère, la maman du héros, la mère, un peu déphasée, déstructurée, un peu alcoolique. C'est ce personnage-là que je te propose. Pour taré ou quoi? Quand tu dis je joue la mère de Ben, vous l'avez vu? Tu me vois faire la mère de Philippine en fait, c'est ça? Pas du tout. Oui? Je saurais même pas jouer un personnage comme ça. Bah, tu peux pas jouer la jeune héroïne mais de pourquoi? 20 ans, la jeune blonde oui. Sexy. Bah, bien sûr que oui, mais moi j'ai cet âge-là. Je fais le rôle de Manon et puis c'est tout quoi, on n'en parle plus. Tu veux que je joue ton film ou tu veux pas que je joue? Si vous cherchez une blonde de 20 ans, moi j'ai vraiment pas cette question. Bon, ça suffit Philippine, on arrête là maintenant, c'est presque indécent là ce que tu fais. Tu veux pas sérieusement jouer la fille de 20 ans? Mais en fait, c'est sérieusement, mais bien sûr que c'est sérieusement. Tu m'envoies le scénario, Mathéo, en fait, moi je lis le rôle du premier rôle. T'es une actrice de 50 ans, Marie. Mais comment ça, j'ai une actrice de 50 ans, je joue le rôle qui m'intéresse, le rôle qui m'intéresse, c'est le rôle de Manon, c'est tout. Ah oui, c'est vrai, écoute, ton ami, 20 ans, t'as pas 20 ans. Mais moi, en tout cas... Mais quoi, j'ai pas 20 ans, et toi, t'as quel âge? On s'en fout de l'âge. J'ai 20 piles. Et ben moi aussi, j'ai 20 piles, je joue le rôle de Manon, et puis c'est tout. J'ai pas beaucoup de tournage. Bon, Philippine, ça suffit maintenant, arrête ton truc, tu vas faire quoi? Tu vas lui sucer la bite aussi? Non, mais arrête un peu. Mais rien à voir, je fais mon travail. Non, mais c'est pas ton travail, il vient me proposer un rôle, je fais le rôle, c'est tout. La mère, alors, c'est non? Mais je sais pas, il faut que je réfléchisse. Vous savez, moi je vais faire la jeune fille. Bon, jeune fille, je vais faire la jeune fille. Je peux vous donner de la tarelle, je peux vous donner de la profondeur. Enregistre, je peux vous donner tout ce que vous voulez. Je fais la mère de Je fais la mère de Ben. Comment elle s'appelle? Je suis une super comédienne. La mère de Ben. Ta gueule! Je fais la mère de Ben, personne ne va y croire, je te promets. Il faut de lumière parce qu'on ne nous verra même pas. Mais réfléchissez bien, ça suffit. Ça se fait vraiment avec meilleure qu'elle. Attends, elle est hystérique, je l'ai rencontrée. Mais c'est pour la mère, elle, c'est pas pour la. Non, mais je fais la mère de Ben, j'ai compris maintenant. Je fais la mère de Ben, même si personne n'y croit maintenant. Casse-toi, Arthur. Ok, au revoir. Salut, Marie. C'est ça, je te le donnerai. Salut.